Bonsoir à tous, je vous demande d'accueillir avec l'enthousiasme de rigueur le premier compétiteur, Zigel. Le second compétiteur, Gonzalez. Bien, messieurs, en guise d'introduction, vous allez disposer une observation tendue. Messieurs, en guise d'introduction, vous allez disposer de 2 minutes chrono pour dresser votre portrait en musique. Pour qu'aucune contestation ne soit possible, celui qui tirera la plus courte paille commencera l'exercice. La tension est à son comble. Zigel.
Round suivant. Chaque compétiteur propose une série de variations sur un thème choisi par lui-même. Son adversaire disposera du même temps pour effectuer à son tour des variations sur le même thème. Ensuite, nous inverserons les rôles. Cette fois, c'est Zigel qui démarre. Thank you.
Le round suivant. Les deux compétiteurs vont devoir improviser en solo, chacun avec des handicaps tirés au sort par le public. Messieurs, vous aurez chacun à vous soumettre à deux de ces handicaps sur une durée à chaque fois de 2 minutes. Nous commençons donc par Gonzalez. Et le handicap, c'est aveugle. Top chrono. Tirage au sort du deuxième handicap, touche blanche, top. Thank you.
tirage au sort suivant. Touche noire. Round suivant. Vous disposez sur une durée de 6 minutes au total, en duo, puisqu'il s'agit de la première épreuve en duo. Vous allez en fait devoir répondre à 4 contraintes techniques qui sont les suivantes. La première, octave extrême seulement. La seconde, avec un seul doigt. La troisième, sans utiliser les touches. C'est possible, vous verrez. Et la quatrième, en position debout.
Secondes. Même si l'usage de la parole est discutable dans ce contexte, Gonzalez signifiait la position assise de son concurrent. Round suivant. Sur le principe du blitz d'échec, vous disposerez d'environ 10 secondes pour réagir aux propositions musicales de l'autre, Zigel. Top chrono.
Top. Les deux compétiteurs vont profiter de ces derniers instants pour se livrer à une improvisation à quatre mains.
Donc à présent, pour départager nos deux compétiteurs, le public et juge, je vais vous demander à l'annonce du nom de chaque pianiste, vous allez devoir manifester votre préférence par le silence ou des applaudissements généreux. Vos réactions seront mesurées par un applaudimètre breveté. Gonzalez. Zigel. D'une très courte paille, le gagnant est Gonzalez. Thank you.